Hey, bonjour, bonjour les amis de TikTok. Ça faisait longtemps quand même qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé. Tout ça là qui m'ont absent et n'a raison, mais nous sommes quand même très bien. Donc, problème exacté. Naïe, les lots, ça dimanche le 20e, le 24 mars 2024. Tout ça dimanche, presque à Souka. Il y a mois haut, il y a mars. Donc, on va commencer dans une semaine. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer le mois d'avril. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Mes chers amis, vous n'êtes pas sans le savoir que Makamboya guerre na Est Ezako Salanet et Telemi. Et Telemité. Guerre à Est était limitée. Batubaza kolinga ba kotisango na ebite soki na ndenge nini. Pourquoi na lobi boye? Parce que président Zalaki na sommet moko na ya SADC. Akendaki na ministre na e comment on appelle ça, Nyamwisi, tout ça. Et ils ont parlé de quelque chose dont peut-être ba Congolais ba bande kozela mingi. Kokanisa keno aide kouta na SADC et kouya ko SADC et kouya ko sali sa biso pote aussi li sa makambo ya M23. Mais moi je constate que après avoir suivi ba reportage ya réunion wana président Zalaki nango na koye ba angouma oyo gouvernement na biso elinga ke faire croire biso keno ba ke ko négocier force à SADC pour ba ya ko bundela biso contre bah, M23 en Rwanda. Moi, je trouve que ça a couché d'une souris. Pourquoi? Parce que c'est la même rhétorique finalement qu'on est en train de raconter à Félix Tshisekedi. Que non, bon, on va venir vous accompagner, nous sommes là pour vous accompagner, mais ce ne sont pas eux qui vont se battre. Et qu'est-ce que le gouvernement nous fait croire que non, Batouana Bakoya Kobunda na M23 parce que armée n'a biso ezo kokate. C'est ça finalement la raison. Parce que si vous allez chercher les délais à l'extérieur, ndenge to yakana EAC to kanisi ke EAC ndenge koya awa et koya ko beta ba M23 ba e bengana bango. Non, c'est pas le cas. Ils sont là justement pour vous accompagner. Peut-être Bozan a besoin de carburant, peut-être surtout sur l'affaire technique ou bien bah, logistique. C'est comme la Monusco ndenge ezalaki, ezalaki ka logistique ne babande ko appuyer biso na makambo o tolingi to sala. Ce ne sont pas eux qui seront au front, eza bango te mutu bakoya ko bunda place au biso il faut to bunda. Et moi je suis sidéré à constater que jusqu'à présent, le président de la République n'a pas encore compris ça. Batouana Nyonso, Ezali Bato, Bazako accompagné, Bazo Salisabiso, ils vont nous aider à faire ce que nous devons faire. Ils ne viendront pas ici pour commencer à tirer sur les M23, comme le président lui-même l'avait déclaré que non, Bakoko Telasuki na Bunagana, Bakobengana Banguna Nyonso. Et donc, même Lorenzo, le président de l'Angola, Azako Benga Batunyoso, Bavanda Namesa. C'est ici où nous réitérons encore ce que nous avions toujours dit. Le problème ne viendra, la solution à notre problème ne viendra pas de l'extérieur. Solution, ata gouvernement boy, Kosololana, ba M23. Or, ça dès que Pezako Tindae, Kosololana, ba M23. Parce que nous n'avons jamais convaincu l'extérieur que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous n'avons jamais réussi à dire que le Rwanda est en train de nous agresser. Non. C'est ça le grand problème. Ça dès que qu'on dit que Rwanda est agressé, biso pendant que nous étions avec les EAC, pays membres, ils ont toutes ces informations-là. Et nous continuons à marteler que notre Solana va M23. Oui, moi je ne suis pas pour que. Et puis il faut que je vous le dise. Hein.
une fois pour toutes ici encore, boyoka yango malamu. Ngai position na ngai ezali te ke Félix akende kosolola na M23 te. Soki Félix akende kosolola na ba M23, il faut solola lisusu na ba Kodeko, toutes les bandes armées na ba Mobondo. Or, ce n'est pas ça la solution. Dialogue oyo nga naza ko prôner a weza nini. Le dialogue que moi j'envisage ici, c'est l'appel à ce que nous appelons aux états de lieu de chaque territoire. Dans quel but? Dans le but à Kopsangisa, bana Congo, na place nyonso o bazali, ba discuter na Congo ya sika. Donc, chema na biso ezali boye. Ndenge président de la République azali, yende mutuaza na pouvoir pour l'instant, azali la voix autorisée, ya koloba, parce qu'azana makoki nyonso, yiko décidé à venir en Mboka na biso, comme il a décidé que qu'on puisse aller aux élections. Ce qui est l'inga qui toke nena ba élection, te l'inga qui paye ça le maté. Alors, nous appelons au patriotisme na bonne foi ya mutuaza na pouvoir ya koloba, Mboka oyo, ezali Mboka ya yo te, ya yo moko te. Ce pouvoir-là ne peut pas, nous ne voulons pas encore entrer dans le cycle de violence. Il est grand temps que on se réveille, que tout zonga na ba cycle de violence te. Batuba ya ko bengana wana na masasi. Ça, ce n'est plus intéressant au 21e siècle dont nous vivons. C'est pour cela que nous nous disons, la bonne solution, c'est de mettre les Congolais sur une table, que les Congolais puissent penser, bah, tout banda ko rêve na mboka asika. Mboka asika to bongisa ngo nenge nini. C'est ainsi que nous disons que le président qui est au pouvoir aujourd'hui peut proclamer cet état-là à l'obi, à l'oba que non, mboka o eza yanga mon côté, mboka o eza yaba luba te, mboka o eza yaba nande te, mboka o eza yaba mbunza te, mboka o eza yaba ba Congolais nyonso. To proclamer schéma moussousou oto o yiko tiye en place comme ça, to bongisa. Mboka na biso ezo sengela ke eto e bongama, ba Congolais ba bongisa yango ba yokana. Toza la liboke moko poto bongisa mboka oyo. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, encore une fois de plus. Yangona to, depuis 2019, tozo senga mokonzi, azongisa pouvoir na base ya koloba, que la base puisse s'organiser, à ce qu'il puisse y avoir des dialogues dans les 145 territoires pour na ko envisager Congo asika. Qu'est-ce que nous pensons d'un nouveau Congo? Comment est-ce que nous pouvons arriver à recréer un nouveau Congo? Bande kona suki wana na tiki kawana, bola ndangai na contact pro life po na suite ya masolo otozolo ba awa. Semaine prochaine tozongeli ba makamu na biso ba réflexion ba réaction régulièrement parce que nous étions un peu déstabilisés. Donc merci pour na batu nyonso tout oyo. Bazako s'abonner d'abord na Contact Pro Live na ba o bazako landanga awa na TikTok. Bo continuer ko partager ba mission na biso e ko tindika ide oyo ezala na ensemble peut-être ko tomber na ba mato ya ba konzi na biso ba implementer na biso nous sommes pourcent à 100% ya ko kanisa ke non ide o toche awa e ko bongisa mboka na biso. Merci beaucoup, en tout cas on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir, bon week-end et bon dimanche.